面だ。破壊神は止められない。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa Dream Team. Donc aujourd'hui, nouvelle méta club, surtout club allemand, avec le Cologne, Hambourg et Moshe Gladbach. Regardez, il est là, le nouveau Schneider. Voilà, avec le nouveau le jumping, le Red Devil Head. Et la frappe de Levin qui fait mal, quoi. Frappe féroce. Celle qui avait cassé la main de Wakabayashi. Avec un step-up. Et je crois que c'est au bout du troisième palier que vous avez... un joueur garanti. Bon, après, c'est pas un joueur de la bannière garantie. Donc, voilà. Il va y avoir beaucoup de news dans cette vidéo. Voilà, donc on va détailler les joueurs. Donc vous avez vu qu'il y aura, la Juve Espoir, Real Madrid Espoir, Werder de Brême Espoir et l'Inter de Milan Catalogne. Donc il y aura le Barça, la Juve, le Werder, le Real Madrid et l'Inter de Milan. Très certainement pour Shingo, le Real, à part Naturezza, je vois pas qui d'autre pourrait arriver. Juve, alors Juve, ça peut être Gentile ou Yuga. Les Catalogne, très fortement, ça ne peut que être Tsubasa. Voilà. Donc, nouvelle méta des couleurs européennes, donc plus 16 pour tous les joueurs clubs européens. Ce qui fait pas beaucoup. Donc les joueurs risquent d'être intéressants, mais là pour l'instant, c'est pour l'avenir, c'est pas pour tout de suite. Donc là, des nouveaux bonus pour l'automne. Donc il y aura une Dream Ball plus d'autres récompenses qu'on va voir tout de suite. Et à la fin, on a un ballon SSR et avant ça, on aura un ballon non, 5 ballons SSR pour Schneider. 7e jour pour Chat et le 8e jour pour Levin. Donc bien évidemment que vous pouvez mettre à n'importe quel joueur. Ils ne sont pas spécifiés pour les nouveaux joueurs. C'est Schneider. Comment dire, vous pouvez mettre à n'importe quel Schneider du jeu. Hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les bonus vont durer jusqu'au 4 octobre. Donc ça fait plaisir. Hein, voilà. En plus elles sont toutes jolies les waifu. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Une Dream Ball, un coach UR Max et deux ballons en restauration d'énergie. Ok, il n'y a rien d'autre. C'est bon. Ok. On va voir une nouvelle interface. J'espère que vous avez fait la mise à jour, hein, parce que sinon c'est un petit peu ballot. Alors, attends. Si je veux bien. Ok. Mission. Putain, du blanc sur du blanc, regarde, ma casquette elle est blanche. Ok d'accord, on a des nouveaux missions événements. Ok, et donc quand tu gagnes, quand tu fais tout, tu as 3 Dream Ball, 10 tickets R+, un ticket Zap et 2 tickets retrait technique. Ok, donc est-ce qu'on peut tout faire? Ouais, il faut dépenser 300 points d'énergie, 400, 500, faire des matchs ligue, matchs... D'accord, réussir l'enseignement de Roberto, ça on connaît. Ok, on connaît. Dépassement de... D'accord, ça on connaît aussi. Les panneaux, 3 fois, d'accord. Ok, faut avoir le ticket vert là. D'accord. Bon, les récompenses sont sympas. C'est sympa. C'est sympatoche. Ok. Bon, moi il ne reste plus que très peu de matchs de ligue. Pour terminer le truc, ok. Alors, il y a des trucs qu'on va voir ensemble. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Donc, nouvelle interface normalement qui va arriver tout de suite.
Voilà. Oui, ça, je sais que c'est bien, ça change. Je partageais en confédération en bas à droite, vous avez vu, avec avec les mains serrées. Alors, si moi je veux aller voir dans les événements, donc tu cliques dans événements. Voilà, on va dans événements. Cliquons là, par exemple. D'accord, ok, donc maintenant, d'accord, ok. Ils ont vraiment rangé les choses, ouais, ça c'est bien ça. Voilà, ils ont rangé tout ce qui est compétences potentielles et grandes rencontres pour farmer les TS et amélioration des joueurs. D'accord, en fait ils ont tout rangé dans. En fait ils ont tout rangé. Alors, avant c'était un petit peu le bordel. En plus il y a de nouvelles illustrations, j'ai l'impression derrière. Ouais, franchement avant c'était le bordel. Avant c'était long comme ça. Et franchement c'est bien. C'est bien ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils ont bien rangé les choses. On va voir s'il y a un nouveau scénario, mais je crois pas. Non, ok. Ça va arriver bientôt normalement. Pour la suite de World Youth. Événement. Ah, c'est vraiment bien. Ouais, franchement, bien, bien, bien. Comme ça, au moins, tu te. Ok. Attends, rester un truc. Alors, attends. D'accord. Point événement. Ok. Donc ça c'est l'event à farm. On va détailler. Il y a un drip de Mizugi à monter. Enfin, à récupérer. Après, bon. C'est pas. Il est rouge. Ok. Tu le fais évoluer, c'est ça? Tu le fais évoluer, c'est. Oh, ah. Plus une SPA, bon. Pas fortement intéressant. Par contre, endurance, plus 10%. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. On va fermer. On va voir combien il faut de points pour avoir le Mizugi. Donc ça c'est quand si vous êtes premier ou quoi. D'accord. Alors le Mizugi. Si tu veux le récupérer. Donc déjà 20 000 points et tu l'as déjà. Ok. Ouais, je crois ça à 20 000. Ouais, 20 000 points. 20 000 points, tu l'as. Bon, ça peut aller très très vite. Hein. Tu l'as encore à 30 000, à 40 000. Bon. Et le reste, c'est du bonus. Ok. Ouh, 80 000 points, tu prends 10 Dream Ball. Sympa. Ça, je crois, c'est à 150 000 points, là, le ticket SSR. Ouais, il est là. 150 000 points, ticket SSR. Ok. Et ben, ça peut aller très très vite dans une conf. Hein. Ça peut aller très 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 vite. Ok. Pense que de ce côté-là c'est bon. Alors attends que je regarde un truc. Attends, on va aller dans liste de joueurs. Par exemple un joueur SSR, bon par exemple Misaki. Améliorer, vous avez vu comme ça a changé. En plus, il vous dit que vous pouvez. Bah, regarde, direct dans améliorer, j'ai déjà la liste de l'évolution. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour le monter. Faut juste que je monte à 4 level 80. Voilà, et là, je peux faire son évolution. Si le moment où toutes les conditions sont requises, juste à cliquer dans évolution direct. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Renforcement TS, transfert, en plus t'as transfert TS direct, ouais. T'as retrait technique direct aussi, c'est génial, c'est vraiment bien, bien, bien. Ok, très bien. Et là normalement t'es dans les filtres, ouais voilà ils ont tout mis dans les filtres, c'est n'importe quoi, ils ont tout mis.
Enfin, n'importe quoi dans le bon sens. Hein. Je dis pas, genre, je dis pas non, n'importe quoi, c'est mauvais. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça donne un petit coup de jeune encore. Ça rajeunit un peu l'expérience, quoi. Ok. Ok. Bon, on va aller voir les joueurs normalement. Voilà, ils sont là. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau encore. Je crois qu'il n'y a que ça. Allez, on va aller voir les nouveaux joueurs club européen. Donc je crois que c'est le Schneider qui va arriver en premier. Allez, tac tac tac. Il est là. Alors, le Schneider. Bon, ça c'est le Fest. Non, mais tout en bas. Il est vert. Hop. Non. Je fais n'importe quoi. Voilà. Ça fait longtemps que je fais pas de vidéo. Analyse. 1023 d'endurance vers Hambourg Junior, donc club, maintenant. 19 926 en attaque, 6 300 en dribble, 8 516 en tir, très 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 fort en tir. 5 554 en passe, voilà. 13 505 en défense, 6 006 en tacle, bon, 2 008 en contre, on s'en fiche. 3 009 en interception, on s'en fiche aussi. Et en physique, 18 560, 6 002 en rapidité, 6 009 en puissance, donc ça va avec ça, contient donc très bien. 5 417 en technicité, donc voilà, c'est lui, il faut lui mettre le tir le plus puissant de Schneider, c'est le Neo Tiger Shoot. Donc si vous avez un doublon du Fest, voilà, il faut lui mettre, il n'y a pas d'autre choix. Tu lui mets ça, tu lui mets le tacle du Kaiser, éventuellement un dribble. Tu lui mets un dribble. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, bah le tacle c'est bon. Donc vous avez le tacle, le dribble il est là, la reprise balle haute. C'est une balle haute, c'est pas une balle basse. Balle haute. Donc dans l'espace libre, moi ce que je mettrais, le tir du fest, S bien évidemment. Et sinon, ce que tu peux peut-être lui mettre, une interception, mais bon, ça sert un peu à rien. Ce qui serait sympa, tu lui mets un tir et si possible, tu lui mets, je sais pas s'il a une reprise balle basse forte, comme ça va te faire un attaquant très 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 complet. Donc c'est ce que je ferai avec notre ami Schneider Hambourg. Ce qui est marrant, c'est que vu qu'on joue en ce moment sur Tsubasa Zero et qu'il y a le portail Hambourg, Club l'a sorti en même temps. C'est ça, c'est un petit peu marrant ça. Avec mon ami Tritri, on en avait parlé. Et la coïncidence est marrante. Donc, grand réveil des joueurs club européen. Donc, joueur de club européen, 16%. Donc, comme vous avez vu, il y aura d'autres joueurs qui vont arriver. Et il y aura très certainement un Zino Hernandez européen, un Gentile, un Yuga, un Tsubasa. Ça va arriver. Donc là, au début, ça va pas servir à grand-chose. Mais voilà. Et en plus, il y aura des joueurs d'autres clubs, plus 7%. Ça veut dire d'autres clubs, je pense, c'est d'autres clubs d'autres continents. Parce que regardez, les 16% sont... Les 16% sont pour les clubs européens, donc des clubs en Europe, t'es d'accord avec moi? Et c'est marqué joueur d'autres clubs, ça veut dire que d'autres clubs d'autres continents. Et dans Tsubasa, les autres clubs continents qu'on voit, c'est au Japon, donc c'est pas en Afrique ou en Amérique. Ou bon, en Amérique, on sait que normalement notre ami Ino joue à River Plate en Argentine. Mais c'est tout quoi. Donc on sait pas grand chose. Même Diaz, on sait même pas où est-ce qu'il joue, dans quel club. En tout cas, moi je sais pas. Mais ça c'est intéressant. Joueur d'autres clubs, 7%. Donc je pense que ça va arriver plus tard. D'ailleurs, un club européen, à part lui, le Levin et le Chat qu'on va voir derrière, les autres sont pas concernés quoi. Les autres sont pas. À part
Le Rivarol, le Rivarol Fest. Rivarol Fest, oui, lui, il est concerné. Parce qu'il joue pour un club européen. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares seuls qui joue pour un club européen. Ou sinon, t'as le Shingo qui donne le dribble SSR. Et je crois qu'il y a aussi un Hernandez avec le maillot jaune. Bon, qui est un peu dégueulasse, je vais pas vous mentir. Tu as bien évidemment le Gentile rouge du début avec le contre et le Gentile DC, le Dreamco. Donc eux, ils sont concernés. Là, j'ai de voir d'autres joueurs au club. Real Madrid, il n'y a pas. Catalogne, on a vu que c'était que Rivarol. Il y a même deux Rivarol. Enfin, de toute façon, ouais, il y a deux Rivarol. Il y a le rouge et il y a le bleu. Sinon, un club européen. Je crois que pour l'instant, c'est tout. En Espagne, en Italie. En Angleterre, il n'y a pas. France, il n'y a pas. Là, les Allemands sont là. Et c'est tout, je crois, pour l'instant. Donc, vous avez vu, c'est très limité. Hein. C'est très, très limité pour faire une équipe club européen et pour que leur team skill sert à quelque chose. Donc, pour l'instant, je pense que eux, on peut les utiliser avec d'autres leader skills comme lui. Tu lui mets un leader skill européen dans une team 45% européen, etc. Lui peut faire le café. Et plus il y a de joueurs européens sur la pelouse, et il prend 20% jusqu'à 8 joueurs. Donc jusqu'à 8 joueurs, comme on a fait la liste là actuellement, il y a peut-être moyen aujourd'hui que son passif fonctionne. Donc il y a peut-être moyen, mais il faut faire il faut compter les joueurs. Ok, donc ça, ce qui est bien, c'est que son leader skill n'est pas concerné que pour Hambourg. Donc non, c'est maintenant, c'est toute l'Europe. Mais sinon, il est très fort, hein. Très très fort le Karl Heinz Schneider. On va aller voir Levin. En plus, il y a des maillots à récupérer normalement dans le shop, je crois, je sais plus. Apparemment, il y a les maillots de Hambourg et de Cologne, je pense même de Mönchengladbach à récupérer. Alors, on va chercher. Pardon. J'ai dû dépasser Levin parce que là, je pars vers l'Asie. Non, donc non, je l'ai pas dépassé. Regardez par exemple le Shingo que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais vous faire montrer. Bon, après, il n'est pas très fort. Hein, je vais pas vous mentir. Voilà, il est là. C'est le seul Shingo qui lui peut. Voilà, Lombardi Junior. Lui, il est concerné pour le leader skill de Schneider. On en a un autre aussi qui est là. Je crois que lui, il est pas gratuit. Oui, c'est ça. C'est oui. Lui, il est gratuit, lui. Voilà, par exemple. Et c'est rare, hein. C'est vrai que le jeu nous donnait que des. Bon, le Gentile est là, il est là devant vous. Et le Dreamco. Après tout le reste, c'est des Gentile équipe nationale d'Italie. Ben voilà, chat, il est là en premier. Bon, on va faire chat. Hop. Donc il est là. Il est rouge. 1021 en endurance, très bien. 19 339 en attaque. 6000 700 en dribble, 7543 en tir, 5094 en passe, c'est bien. 12 801 en défense, donc bon, défense est très faible à part le tacle. Et 19 524 en physique, avec 8392 en puissance. C'est très très fort. Ça, c'est très très fort. Et balle haute, il est bon. Vous allez savoir pourquoi. Parce que sa spé principale est une balle haute, c'est une tête. C'est une belle tête à la Morientes. 385 en coup de stam, mais un peu monté jusqu'à 455 en S99. Donc il a le tir du char lourd à 340, à 80, et le tacle tant que lourd à 315. Il faudrait voir le chat World Cup gratuit qu'on avait. Que j'ai, bah voilà, il est là. Par contre,
Son tir coûte très cher. Il coûte 500. Mais il monte jusqu'à 500. Voilà. C'est très cher. Mais c'est très puissant. C'est très puissant. Après, je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si ça vaut le coup de mon 500. Et là, 455. Ouais, tu gagnes 45 de plus de puissance. Mais pour 125, si je compte bien. Pour 125 de stam de plus. Pourquoi pas? Il faut voir. Faut voir. Je suis pas convaincu du projet. Ou sinon, on a ce chat-là. On a quoi comme. Il a le tir du. Ouais, bah, lui à la rigueur, mais bon, ça monte qu'à 440. 440. Ouais, il faut voir. Il faut voir. Parce que là, le tir le plus puissant, c'est celui-là, je crois, si je dis pas trop de bêtises. Après, j'ai pas tous voulu faire les chats, mais. Ouais, faut voir. Sinon, bon, il a le tac qu'il faut, d'accord, le tir. Qu'est-ce que je lui mettrais à ce chat? Le dribble du. Ouais, peut-être le dribble tank lourd. Pourquoi pas? Et je pense, ou sinon une interception. Voilà, tu lui mets un tir pour moi. Ou faut voir. Faut voir le tir. Parce qu'il monte jusqu'à 315. Après, son passif rattrape le truc. Parce que son passif, plus il a d'endurance, et plus sa TS prend 20% de plus. Et ça, c'est l'un de mes passifs préférés du jeu. Un coup de tout un corps, je kiffe. Je kiffe ce passif. Lui donne exactement la même chose que Schneider. On va pas tergiverser là-dessus. Vous savez, pour l'instant, c'est des petits leader skills qui sont assez limités, mais comme disait Matt, ça peut être fort pour l'avenir. De toute façon, ça va être l'avenir. De toute façon, les clubs européens, ça va être l'avenir. Notre ami Levin, donc Levin qui a un éveil du. Ah bah attends. Attendez. Chat avait un niveau du potentiel, moi je zappe comme ça. On se casse. Non? Attends. Ah non, je me suis trompé. Attends. Non, 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 il n'a pas le niveau du potentiel, je dis n'importe quoi. Je me suis trompé de chat, pardon. Excusez-moi. Vous avez rien vu, hein. Vous avez rien vu. On n'avait rien vu. Collection. En tout cas, Levin, je crois qu'il a que des maillots blancs. Même son. Ah non, maillot jaune, d'accord. World Cup. Allez, on va prendre directement le level du potentiel, on va pas se prendre la tête. Il est bleu, milieu offensif, donc uniquement milieu offensif, Cologne, 1085 en endurance, 18 313 en attaque, 5008 en dribble, 6009 en tir, 5005 en passe. C'est à peu près équilibré. C'est à peu près, à part le tir qui est plus puissant, mais le reste c'est assez équilibré. 11 660. 5 en défense, 4009 en tacle, c'est pas énorme. 2002 en contre, bon, on s'en fiche. Et 4184 en interception, c'est un petit peu faiblard tout ça. 18 146 en physique, 5008 en rapidité, 6000 en technicité et 6002 en technicité, donc c'est assez homogène, à part la technicité où il est très fort. Balle haut et bas, normal. Ensuite, lui, je crois qu'il a le même team skill, on va pas le détailler. Il a le même leader skill. Bon, non, ouais, il a le même passif que notre ami Schneider, mais sauf que Schneider est un rang B et là on a un rang A, donc il prend 30% lui. Quand il y a des joueurs européens, jusqu'à 8. Donc si vous avez 8 joueurs européens et le reste d'autres méta, et ben son passif est activé. 30%. Et ça peut faire mal. 30%, ça peut faire très très mal. Et il a un éveil du potentiel derrière qu'on va avoir. Et lui, il a 4 spé. Donc c'est assez rare dans le jeu, je crois. Dites-moi en commentaire si je dis des bêtises, mais je crois que c'est assez rare qu'on ait une carte avec 4 spé déjà. Généralement, c'est 3 spé. On a le Levin Shoot Frappe Féroce 410 pour 465 de puissance. Dribble éblouissant. Donc ça, c'est nouveau. J'aimerais bien l'avoir, ce nouveau dribble. 215 de stam pour 320 de puissance.
Rideau boréal, ça, 340, ça on le connaît. 325, et il fait une passe-feuille morte. D'accord, donc Lévin a une passe-feuille morte. Pourquoi pas? Moi je trouve que la passe la plus stylée, ça reste quand même la passe à la Lévin. C'est la plus stylée, 185 pour 315 de puissance, ça c'est assez rentable. 185 de coût pour plus de 300 de puissance, ça c'est bien. Donc voilà, ouais, passe-feuille morte, c'est un peu bizarre quand même. Pour Lévin, c'est très bizarre. Très très bizarre. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on va voir les avis du potentiel. Donc lui, il ne fait que des balles hautes. Dans les centres, que des balles hautes. Donc parfait pour notre ami Schneider. Donc si tu as Slevina et Schneider et qu'il vient dans la surface, bah, tu peux lui mettre. Intensité de la TS. Intensité, balle flottant haut des clubs européens plus 5%. Ah, donc en plus, il donne un boost à Schneider, par exemple. Par exemple, il veut lui faire le centre. Et ben, grâce à ce passif-là, il va l'activer pour Schneider. C'est intéressant. Intéressant. Donc, il va donner un boost de 5% supplémentaire à Schneider. C'est très intéressant. Paramètres du joueur club, il donne encore plus 3%, donc en tout, ça peut monter jusqu'à 8% déjà. Il tue les gardiens plus 5% quand il tire face à un gardien. Et maître de la surface, il prend 3% que dans la surface. Donc ouais, donc c'est pas trop mal le Lévin là. C'est très sympa. C'est très sympa. C'est une sorte de Tsubasa, le Tsubasa Drill Fest rouge. Ça peut être très sympa. Et les médailles compétences passives, vous voyez, c'est ce genre de c'est ces médailles-là qu'il faut pour le faire évoluer. Donc vous avez vu, l'interface a changé. Maintenant, ils vous disent directement, voilà, vous pouvez le faire monter les compétences du potentiel directement comme ça, de visu. Donc c'est pas mal. Non, pas mal le Lévin. En plus, je trouve que la carte est très sympa. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, les amis. On va voir le combien le palier coûte. Je crois que c'est 50 Dream Ball, sinon ça aurait été mentionné peut-être 30. On va voir ça tout de suite. Ah non, c'est 30. 30, d'accord, c'est de 30, 30, 40, 50. Donc pour 80, ouais, 120, c'est ça? 120, t'as un SSR garanti. Mais attention! Pas de la bannière garantie. Tu peux, bien évidemment, tu peux dropper la bannière, mais c'est pas garanti. Donc garantie, c'est SSR, ça peut être n'importe quel SSR. D'accord, il y a des ballons noirs à récupérer. Bien évidemment, tu peux faire par single. Le nouveau Robson, qui a l'air très sympa. Renforcement d'interception automatique, d'accord. Donc le Dream Pod que j'ai pas pu finir. Parce que je peux plus récupérer. Ça, c'est génial, ça. J'ai pas pu récupérer les derniers tickets pour finir au moins ce Dream Pot là. Bah, je pourrais pas le finir. Merci, merci Club. Et voilà, les amis. Voilà. Non, moi, je pense pas que je vais. Non, ça m'intéresse pas. Les gens ne m'intéressent pas. Après, pour le Levin et pour le Schneider, tu peux les mettre dans une. Pourquoi pas une équipe européenne? Pourquoi pas, mais ils seront pas optimisés en fait. En fait, ces joueurs-là sont sortis un peu trop. En fait, c'est la première vague en fait. Donc pour l'instant, moi je serais à votre place. J'invoquerai pas. J'invoquerai pas, pas pour la collection, pour commencer un petit peu à travailler sur une formation européenne, enfin club, pardon, club européen. Voilà, pour l'instant, ces joueurs-là, je dis pas qu'ils sont faibles, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont pas optimisés, quoi. Ils seront pas optimisés dans les méta actuels, en fait. Il faut attendre les prochaines vagues derrière. Et là, quand il y aura les prochaines vagues derrière, ça peut être très intéressant. Ça peut être très très intéressant. Il faut trop de... En fait, le problème, c'est qu'il faut trop de joueurs qui sont pas trop forts, à part le Rivaol encore, voilà, qui commence à être dépassé. Mais voilà, c'est peut-être l'un des joueurs les plus forts pour un club européen aujourd'hui, avec le Gentile Dreamco. Mais sinon, le Shingo, avec le Drib, il date des années bissextiles.
Le Zino Hernandez, c'est très faible. Donc pour l'instant, moi je vous donne un conseil, les amis, n'invoquez pas dessus. En plus, bientôt, ils ont annoncé qu'il y aura bientôt le portail des joueurs réels. Donc, comme l'année dernière, on a eu Morientes, Roberto Carlos et Guti. Moi, je serai à votre place, les amis. N'invoquez pas. Hein. À part si vous êtes un gros cash player, 30 Dream Ball, comme dit très bien Matt, sur 30 Dream Ball, pourquoi pas. Mais là, si je le fais, il me restera plus que 35. Bon, là, il y a les 21 farmés, donc il y aura des Dream Ball à récupérer. C'est à vous de voir, les amis. Mais moi, pour l'instant, je crois que j'invoquerai pas dessus. Hein. Même si le premier palier est à 30, pour l'instant, je le fais pas. De toute façon, c'est pas des joueurs illimités. Hein. Ils vont revenir, bien évidemment. Ils vont bientôt rentrer dans les tickets SSR plus tard. Ils vont rentrer dans les lecteurs. Donc, voilà quoi. C'est à prendre en considération. Mais moi, voilà, un conseil, moi, j'invoquerai pas dessus, les amis. Je n'invoquerai pas dessus. Je dis pas qu'ils sont faibles, hein, loin de là. Surtout Schneider est très intéressant, mais pour l'instant, c'est. Voilà. Ah bah tiens, directement des cadeaux. Voilà. Une petite médaille Rainbow des familles et deux coachs UR, d'accord, très bien. Donc, voilà les amis. Voilà mon ressenti. Voilà mes petits conseils et la présentation des nouveaux menus aussi, un petit peu. Et moi là-dessus, je vais vous laisser. Farmez bien le nouvel event à point. Et on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles aventures sur Captain, tu vois ça, Dream Team ou. Zéro. Ciao, ciao!